ils nous ont applaudi parce que ils estiment que vous allez leur donner, vous allez faire quoi, vous allez faire quoi à leur espoir. Donc les gens qui nous applaudissent, voilà, c'est pour le message, pas de ce faire cela, voilà, voilà, c'est pour le pas changer, c'est pour le pas changer. On suppose que le commandant accompagne nous. Pas de ce faire cela. C'est lui qui est en train de discuter devant là-bas. Là. Allons-y. Pourquoi? C'est ça, il dit. Septembre a été férié en Guinée depuis 58. Vous voyez,
Oré qui? Le décret n'a pas dit qu'on a dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de tasse. On a dit qu'il y a une mode, on dit qu'on ne doit pas sortir.
mais ce n'est pas une mémoire. Le décret dit qu'au contraire, personne les gens qui ont dit qu'aujourd'hui, ils n'ont pas au travail. Voilà. Donc ils sont disponibles pour éventuellement manifester leur opinion sur ce qui se passe dans le pays, pacifiquement, ce qu'on est vraiment. Mais attends, qu'est-ce que dérange si on reportait la chose là demain? Parce que l'autorité dit aujourd'hui c'est pas possible, c'est une journée fêtée, c'est une journée fériée, on ne doit pas attribuer une autre connotation à cela. Demain aujourd'hui c'est la même chose. Mais bon, il n'y a pas qu'il y ait des problèmes. Parce que vous savez pertinemment que si vous insistez, les gens vont se pointer. Ça c'est votre esprit. Vous voulez être bien accrochage, nous on ne veut pas ça. Non, c'est ça. Vous avez fait hier, si vous êtes conscient de ce soir, justement, demain je serai avec vous. Voilà, bon, fais ça aujourd'hui encore. Mais hier tu as fait ça, mon commandant. On s'en fout de Dadou. À part le régime militaire, on ne veut plus. Un sac de riz plus 50, on ne veut plus. Nous ne sommes pas affamés. On ne veut plus la dictature militaire. On veut les militaires au calme. Oui, merci. Avec la frontière, nous ne voulons plus des hommes prolixes.
pas dictature. Abbas CNDD est son président. Yeah, yeah, yeah. Vive liberté. Abbas le mangue, sorry, moi, à ma son nom. À la copine. Là-bas.
Maintenant, ce n'est plus candidat ou pas. Maintenant, c'est le départ de Davis. Davis doit partir. Davis doit partir et le peuple a revendiqué jusqu'au départ définitif de Davis. Davis doit partir. On ne veut plus remettre le pouvoir. La démocratie ou la mort. Le peuple de Guinée, de l'extérieur et de l'intérieur, a revendiqué le départ de Davis Camara au pouvoir. Et tout le monde doit partir.